France avec Laurent Emmerich, Clément Guérin, Quentin Rémiot, Rachel. Laurent Emmeré en deuxième position, la troisième place entre Quentin Rémiot et Vincent Joannet. Vincent Joannet, quatrième, Quentin, troisième, cinquième, Raphaël Poitronneau. Allez, il a créé la surprise à l'issue du premier tour. Il est devancé Clément Guérin, Laurent Emmeré, Quentin Rémiot, Vincent Joannet, Raphaël Poitronneau, Grégory Bastien. En vrai, numéro 50, c'est Jérémy Pignan. Pat Lachaud, Patrick Savoie, Luc Apparé, Jean-Pierre, Dominique Rougeron et Alison Desnoux. Commencer à déchauffer un petit peu au coffre. Actuellement. Oh là 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 là. À sa saison, il y a peu de choses. Oh là 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 là. Quentin Rémiot qui a failli faire la même erreur que Laurent Emmeré et qui finalement est bien faire beaucoup plus que Laurent. Laurent qui a failli partir en tonneau dans le virage numéro 7 et finalement Quentin dans le virage numéro 1. La casse est évitée et c'est tant mieux et pour les pilotes et pour les voitures et aussi pour les mécanos. Allez, Clément Guérin, Laurent Emmeré. Du coup, ça fait les affaires de Raphaël Poitronneau, Vincent Joannet, Grégory Machin, je l'avais annoncé qu'il faudrait commencer à prévoir l'arrosage après tout ce qui est tombé hier, c'est quand même pas le. Laurent Emmeré qui se montre de plus en plus présent au klaxon. Clément Guérin qui, on l'a vu tout à l'heure, ne se laisse pas perturber, en tout cas beaucoup moins que les années précédentes. Clément Guérin qui tient ses trajectoires. Laurent Emmeré en deuxième position, maintenant troisième Raphaël Poitronneau. Vincent Joannet qui vient de faire son tour joker, qui ressort entre Jérémy Guillon et Quentin Rémiot. Non, entre Grégory Machin et Quentin Rémiot, pardon. Jérémy Guillon est quant à lui en septième position. Après le passage d'Alison Denis, nous en serons à trois tours de l'arrivée. Laurent Emmeré qui prend son tour joker qui ressort à côté de Raphaël Poitronneau. Il est passé Laurent et il reprend sa deuxième place.
des Manguerins qui lignent toujours passer son tour de cœur. Même opportunité dans la course pour Raphaël Poitrono qui a un beau fièvre devant lui. Et de voir éventuellement comment se passent les trajectoires avec un quintuple champion de France. C'est une belle expérience. Clément Guérin n'a pas pu conserver sa première place. Laurent Aimeray, Clément Guérin, Raphaël Poitrono, Vincent Joannet, Chantal Réunion, Grégory Machin, Chérine Guillain. Le numéro 50, c'est oui, Jérémy Guillain, Stéphane Baché, Patrick Savoie, Cicatré Jean-Pierre, Dominique Rougeron et Alison Denou. Et on arrive dans le dernier tour, c'est ça. Après le passage d'Alison Denou, on sera dans le dernier tour. Il va nous faire peur jusqu'au bout, Laurent. Et je pense que pendant la pause, il va s'acharner à faire en sorte de remettre en état ce virage numéro 7 qui est en train à nouveau, malheureusement, de se dégrader et qui devient dangereux autant pour les pilotes de chevaux que les Folcars. Folcars que l'on retrouvera d'ici quelques instants. Allez, la tête de la course, plus que trois virages. Allez, après le passage d'Alison Denou, Laurent Aimeray qui remporte cette manche. Deuxième belle place pour Clément Guérin. Troisième, Vincent Joannet. Quatrième, il a sauvé un peu les meubles. Donc, Quentin Régnon. Cinquième, cinquième, Raphaël Poitrono. Sixième, Grégory Machin. Septième, Jérémy Guillain. Huitième, Dominique Rougereau. Neuvième, Patrick Savoie. Dixième, Cicatré Jean-Pierre et